Hey Emma, je vais te raconter. Pourquoi un soir je suis pas rentré. On avait découvert ça en Nouvelle-Zélande. Enfin, il y a beaucoup de festivaliers qui ont rapidement adhéré et des organisateurs qui voyaient bien qu'en termes d'image et de qualité de prestation, il y avait quelque chose de différent. De fait, on prend conscience, notamment quand on prend ce gobelet de sueur à l'entrée, que le geste est plus fort de couvrir sa matière plutôt que de l'évacuer par la chaise. J'ai pas forcément envie de noyer ma merde dans l'eau potable. C'est nul. Il faut préserver l'eau. Faut boire l'eau. Et à prendre conscience surtout qu'on gaspille de l'eau pour rien alors qu'il y a des millions de personnes qui n'ont pas d'eau potable. Alors, c'est génial. Bah, ouais. C'est super. C'est, voilà. Que des toilettes sèches sur le bout du monde, ce serait très bien. C'est un principe absolument génial. Et c'est très très bien tenu, très bien organisé. Mais les toilettes sèches, c'est surtout un endroit de rencontre. On rigole beaucoup aux toilettes sèches. Toilettes sèches, moi je dis oui. Je dis oui, moi aussi. Dès que la crotte est panée, ça va mieux. Ben ouais, on travaille dans la merde et surtout celle des autres, en fait, de milliers et de milliers d'autres. Mais on n'a pas ce sentiment-là.